1640. In Almagna 231. 100 in Francia, in Turchia 91. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Mozart pour commencer, merci. L'Opéra National de Paris a dévoilé sa saison 2018-2019. Oui, vous aurez noté que c'est Don Giovanni, hein, Don Juan. C'est un petit clin d'œil. Milletré, non ? Ben, bon, voilà, passons. Donc voilà. Donc vous savez, c'est la tradition en fait. Les théâtres, les opéras présentent leur programmation en ce début d'année. D'habitude, on a droit à ça, c'est-à-dire un monsieur qui vient nous parler avec un micro. Alors parfois, il y a quelques artistes qui arrivent sur scène, rien de très excitant. Même si là, c'est Romeo Castellucci. Mais là, surprise, la conférence de presse est devenue une soirée exceptionnelle à l'Opéra Garnier, avec une sorte de mise en bouche, ou plutôt en danse, musique, de ce qui nous attend pour la prochaine saison, qui est une saison spéciale, c'est une saison anniversaire. En 2019, cette vénérable maison célébrera ses 350 ans. Et oui, en 1669, Louis XIV a créé le premier opéra permanent au monde, l'Académie Royale de Musique à Paris. Et en plus, on célèbre un autre anniversaire, puisqu'il y a 30 ans, on a inauguré l'Opéra Bastille. Voilà donc qui méritait une soirée exceptionnelle, une soirée inédite réalisée par Vincent Huguet. Et ce qui était assez touchant, c'est que tous les artistes étaient présents, les artistes lyriques, mais aussi les danseurs, les danseuses, les chorégraphes. Et tout le monde avait l'air très heureux de cette soirée. C'est vrai que même le public était enchanté. Je ne sais pas du côté de la salle, mais du côté des coulisses, c'est très sympa parce qu'on a enfin l'occasion, ce qui est rare d'ailleurs, de rencontrer et de croiser des cantatrices, des petits rats, des artistes en tout genre. Et je trouve que c'est très agréable cette ambiance. Et justement, grâce à cette ambiance de coulisses et l'ambiance que j'espère vous avez en scène, on a vraiment un sentiment de fierté d'appartenir à cette maison. Je suis quelque part un successeur de Lully, quelque part, qui était le tout premier directeur musical. C'est quand même un héritage extraordinaire, il faut se rendre compte. Voilà pour cette danse et ses réactions, Estelle. Et vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Le choix des metteurs en scène, déjà, c'est la crème de la crème. J'en parle assez souvent sur ce plateau. Par exemple, il y a le flamand Ivo Van Hove, qui lui va donc s'emparer de Don Giovanni. Il y a l'Australien Simon Stone, qui revisite Ibsen, Tolstoï au théâtre. Lui, il va s'attaquer à la Traviata. Et le public va découvrir une Bérénice adaptée à l'opéra, donc version opéra de Racine. Et il y aura cette œuvre, les Huguenots, œuvre de Giacomo Meyer, qui avait fait fureur en son temps, puisque les Huguenots reviennent sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Au 19e siècle, tout Paris se pressait pour voir cet opéra qui est un peu tombé dans l'oubli. Là, on a pu écouter l'air d'Urbain, Noble Seigneur Salut, et Stéphane Lissner nous explique pourquoi il a voulu remettre les Huguenots en avant. En Europe, en Allemagne, en Angleterre, partout, on monte les Huguenots régulièrement. Et nous, il y a eu quelques théâtres en France qui l'ont fait, mais l'Opéra de Paris, qui est quand même dépositaire de cet opéra, ne l'a plus remonté depuis 1936. On est un opéra français. Je pense qu'il y a une langue qui est le français, et je pense qu'on a une chance extraordinaire, qu'on a des dramaturges, des écrivains, absolument, depuis des siècles, absolument extraordinaires. Si on regarde Balzac quand on a fait Trompe-la-Mort, si on regarde maintenant Jean Racine avec Bérénice, et puis deux ans plus tard, nous ferons Le Soulier de Satin de Paul Claudel, sont des grands dramaturges, et j'ai donc choisi de commander à des compositeurs vivants des œuvres autour de ces grands dramaturges. Envie
d'aller à l'opéra et voir donc des œuvres lyriques, aussi de la danse. Donc voilà le programme. C'est vrai que c'est parfois un peu cher, mais il y a quand même des prix, surtout pour les plus jeunes. On ira ensemble au moins une fois, Estelle. Je vous invite à l'opéra. Merci. La langue française à présent, avec un palmarès littéraire. Oui, le palmarès L'Express RTL Tite Livre qui est sorti donc aujourd'hui et qui met donc sur la première marche du podium, on va le découvrir ensemble, Fred Vargas et son dernier polar, Quand sort la recluse, suivi du dernier Goncourt, Éric Vuillard, que nous avons reçu sur ce plateau. Et enfin, c'est Guillaume Musso qui ferme la marche, ça ne doit pas vous surprendre. Surtout que Guillaume Musso, il a été classé à la première place d'un autre palmarès, celui du Figaro littéraire. C'était il y a quelques semaines seulement, c'est lui qui a vendu le plus de livres, notamment avec Un appartement à Paris. Alors, combien de livres, vous voulez savoir, en 2017 ? À peu près. 1,5 million. Ah oui, quand même. Voilà, quand même. Mais c'est moins qu'en 2016. Et c'est un constat. C'est aussi le constat de ce palmarès, c'est qu'on vend moins de livres. Alors, on en vend surtout en poche. Donc, voilà, il faut continuer à lire les auteurs en poche ou pas. Voilà, pour ce petit palmarès littéraire. Et peut-être juste un dernier mot. Oui. Alors là, on va quitter le monde de la francophonie, mais il y a un grand monsieur qui a décidé de prendre sa retraite. Ah. On va écouter un petit extrait. Je suis sûre que vous allez le reconnaître. Ah, ben non, on ne va pas l'écouter. Et ben écoutez, voilà, c'était pour vous dire que Paul Simon voilà, fait ses adieux. Et donc, il entame une grande tournée d'adieux, puisqu'il a 76 ans et il va passer par Montréal, la Belgique, Anvers, mais il ne passera ni par la France, ni par la Suisse. Bon, ben il y a Anvers, il y a la Belgique, même si c'est néerlandophone. Merci Estelle, c'était Demander le programme.